Bonsoir, merci d'être avec nous pour une demi-heure pour la présentation de ce festival 2023 Curieux Voyageurs, 44e édition. Festival qui se déroulera les 17, 18 et 19 juin à Saint-Étienne, à l'espace Toriel. Alors, vous l'avez vu sur cette très belle bande-annonce réalisée par Christian Goubier, on vous promet beaucoup de rencontres, de belles rencontres, de l'aventure, des découvertes, mais aussi de la poésie, de l'émotion pendant ces 3 jours de festival. Durant une demi-heure, nous allons essayer de vous dévoiler ce programme, en tout cas les grandes lignes, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et à voir pendant ces 3 jours. Et pour compléter cette première présentation, eh bien, vous pourrez aller sur le site de Curieux Voyageurs, ou bien vous pourrez avoir toutes les informations également sur le magazine qui vient tout juste de sortir et qui répertorie un peu l'ensemble des films projetés, des expositions, de tout ce que nous allons vous proposer. Voilà, vous pourrez consulter ce document, ce magazine, en allant dans les offices de tourisme de la région et chez nos partenaires habituels. Alors, il est temps justement de remercier ces partenaires publics ou privés. Certains nous soutiennent depuis de nombreuses années, certains nous rejoignent seulement. C'est le cas de France Auvergne-Rhône-Alpes cette année. Merci donc à ces partenaires, merci aux réalisateurs, merci aux photographes, merci aux voyageurs et aux nombreux exposants qui font le festival. Merci à tous les bénévoles qui nous rejoignent, qui rejoignent l'équipe d'organisation pendant ces 3 jours très intenses. Bien sûr, merci à vous, le public fidèle depuis de nombreuses années pour ces 3 jours d'échanges, de rencontres, de découvertes et de passion du voyage partagé. Alors, je ne veux pas être trop long. Je voudrais juste vous signaler que vous allez pouvoir poser vos questions, vous allez pouvoir chatter. Et avec Agnès, avec Florence, avec Eric, 3 membres de l'équipe d'organisation, nous allons essayer d'y répondre à la fin de cette présentation. Alors tout de suite, on va commencer par le vif du sujet. Curieux Voyageurs, c'est un festival de films, de voyages, vous l'avez compris. Et donc cette année, on a une programmation très riche et c'est Florence qui va nous en parler, à partir de la sélection des films que nous avons fait depuis quelques mois en amont. Bonsoir Florence, alors qu'est-ce qu'on Bonsoir. va, où est-ce qu'on va cette année et qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? Alors, en effet, on a reçu plus d'une centaine de films pour la programmation. L'équipe d'organisateurs s'est réunie pour sélectionner le meilleur parmi cette centaine, donc des récits de voyage essentiellement, parce que c'est quand même le cœur du festival, et le voyage et les films. Donc là, c'est vraiment la programmation de l'essentiel, des voyages d'aventure, des voyages plus sensations fortes même, des voyages plus nature qui nous emmènent au cœur de l'Arctique, par exemple, des portraits de vieilles femmes, des portraits de sportifs, des portraits aussi à travers le monde. Au total, la programmation se concentre sur 25 films quand même, qui vont être programmés tout au long des 3 jours. Sur ces 25 films, 23 sont en compétition. L'ensemble de ces films seront projetés dans 3 espaces de projection différents, comme à notre habitude. Donc la très belle salle de l'amphi du Centre de Congrès de Saint-Étienne, l'École des Mines aussi, plus petite salle mais plus de proximité avec le réalisateur qui sera présent, et puis le planétarium, donc la salle plus intime, on va dire, très confort, où de nombreux films seront projetés en doublon puisque c'est une petite salle, donc ça donnera le choix de voir les films à des horaires différents dans le week-end. Le mieux quand on parle des films, c'est de voir les bandes-annonces. Donc là, on va vous proposer 4 courts extraits de bande-annonce pour vous donner un petit peu l'étendue du panel de l'ensemble de la variété de cette programmation. Би нэг өдөр ингээд телевизээр зурагт үзээ сууж байсан чинь балет гарч ирсэн. Балет харсан тэгээд би ямар гоё юм бэ балет сурах юмсан гэж бодсон чинь Улаанбаатар хот руу орж сургалтын сурах хэрэгтэй юм билээ.
qu'une vie dans ces aventures-là. Prendre le départ de l'Iditarod et donc d'arriver jusqu'à Nome, bah pour moi, ça serait vraiment un symbole énorme. Terre de froid et de contraste, la toundra est un milieu rude pour tous ceux qui s'y aventurent. En la parcourant, nous espérons mettre en image animaux et paysages du bout du monde. Nos plus belles rencontres nous donneront l'occasion de croiser nos regards, de mêler peinture et photographie pour montrer la beauté et la fragilité d'espèces à l'avenir incertain. Il est capable de révéler une situation, une scène. Je trouve qu'il a un regard très graphique sur les choses et que son travail en noir et blanc met encore plus le côté graphique en avant. Et puis voilà cet ours qui prend, comme ça en plus avec une élégance de pas en regardant, comme ça le cou tendu. Avoir le temps, c'est peut-être juste s'arrêter de courir. Puis se poser, puis on a le temps. Mais c'est dur. On m'a donné une poule. Tout le monde me disait, mais comment elle s'appelle, ta poule? Puis moi, je disais, je sais pas. Puis je l'ai dit une fois, deux fois, 10 fois, 30 fois. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, elle s'appelle, je sais pas. C'est un peu le symbole de tout ce que je vis là. Quand on me pose une question, tu vas où? Je sais pas. Tu fais quoi? Je sais pas. Tu fais ça pendant combien de temps? Je sais pas. C'est ce qui fait toute l'aventure, finalement. Je rencontre un peu des rêveurs, et puis ça me fait prolonger le rêve. Et puis, allez, j'ai réparé au bout. Allez, ciao. Merci, ciao, encore. Ciao, Félix. Ciao, merci. Allez, pour tout. Je suis peut-être dans une bulle, effectivement, ça, je ne le cache pas. Mais finalement, quand on est dans ce milieu du travail, qu'on est dans les infos, dans l'actualité, dans tout ça, on est aussi dans une bulle. Alors, je me dis, finalement, faut choisir sa bulle. Alors tout de suite, un petit rectificatif, je vais voir si tout le monde suivait. Les dates du festival, je les redonne, c'est bien le 17, le 18 et le 19 mars. On ne peut pas changer nos habitudes, c'est en mars, voilà, à Saint-Étienne, à l'espace Foriel. Deux choses importantes, les films et les expositions commencent dès le vendredi après-midi, venez nombreux. Et puis, évidemment, comme chaque année, après chaque film, eh bien, il y a des échanges avec les réalisateurs. Soit ils sont là physiquement, vous pouvez leur poser des questions, vous, le public. Et s'ils ne sont pas là, s'ils ne peuvent pas se déplacer, alors nous essaierons de communiquer avec eux via Skype. Alors, qui dit film dit palmarès et dit jury. Chaque année, vous le savez, plusieurs prix sont décernés durant le festival Curieux Voyageurs. Et Florence, c'est toi qui nous en parles de nous. Oui. Donc, nous avons un jury qui nous fait le plaisir de participer au festival cette année. 6 personnes vont composer ce jury, des réalisateurs, des voyageurs aussi, qui savent un petit peu de quoi ils parlent, qui ont l'habitude des festivals en général et de ce festival aussi. Et du coup, ils vont visionner l'ensemble des films pour décerner le prix, le palmarès du festival 2023 parmi les 23 films en compétition cette année. Donc le palmarès aura lieu le dimanche à 17h45 dans le grand amphi du centre de congrès. Et puis à cette heure-là, nous dévoilerons aussi le prix du public, parce que vous aussi, public, vous allez pouvoir voter pour le film que vous avez préféré, le palmarès, le prix du public. C'est un prix qui est soutenu par le Crédit Mutuel avec une dotation, et à la fin de chaque séance, de chaque projection, le public dans la salle aura la possibilité de voter. C'est pour ça qu'on va déterminer le prix du public. Alors vous me direz, 25 films, que 23 en compétition, et les deux autres? Donc nous avons un film qui sera projeté le dimanche matin, c'est en partenariat avec Ushuaïa et la TV. Ça sera Islandre, l'autre voyage au centre de la Terre. Un très beau film, mais qui ne fera pas partie de la compétition.
Et puis un coup de cœur du festival, un photographe qu'on connaît bien, Alexandre Sattler, qui va nous présenter un court film, La doyenne du monde. Et ce film donnera l'occasion d'un échange, d'un débat, d'une présentation, d'une rencontre avec ce photographe lors d'un grand débat dans l'amphithéâtre. Donc c'est une version un petit peu différente qui ne fera pas l'objet de la compétition. Oui. Mais je ne peux pas vous parler de tous les films. Non, ouais, voilà, il faut aussi venir découvrir. Voilà, donc je reviens sur le programme. Là, vous verrez l'ensemble du descriptif et puis les bandes annonces. On vous en a présenté quelques extraits, mais tous les films ont une bande annonce qui est à retrouver sur le site internet Feuillage. Tout à fait. Merci, Florence. Alors, donc, on a parlé des films, on a parlé des prix. Et puis, bah, vous l'avez compris, le Voyageur, c'est un lieu de rencontre, d'échange autour du voyage, notre passion pour le voyage, pour l'image, pour donc les belles images. Et donc, on a mis en place depuis plusieurs années la Voix des Voyageurs, Voix VOX, mais on pourrait dire aussi Voix VOIE. C'est donc ce lieu dont l'accès est complètement gratuit, je le précise, un lieu de conférence, de débat. Et cette année, plusieurs rendez-vous sont proposés. Agnès, bonsoir. Bonsoir. Oui, effectivement, cette année, 6 rendez-vous sont proposés dans l'espace Voix des Voyageurs, aussi variés les uns que les autres. Tout d'abord, une conférence qui nous est proposée par le réalisateur du film Mamoudi, le dernier cruiseur de Baobab. Cyril Cornu donc, va nous raconter comment, à Madagascar, on conserve l'eau dans les baobabs pour faire face aux sécheresses chaque année. Voilà, et ça depuis des générations. Donc, ils ont inventé le stockage de l'eau bien avant nous. Une deuxième rencontre, c'est une rencontre littéraire avec Lydie Lescarmentier. Lydie Lescarmentier est une des 3 auteurs en compétition pour le prix littéraire Prix Voyageurs cette année. Et donc elle va nous parler de son livre La Voix des Pôles. La rencontre sera animée par Jean-Claude Duverger de SCF, la radio partenaire du festival. Ensuite, une table ronde. 2 films cette année parlent du changement climatique. Donc nous allons accueillir les réalisateurs de ces 2 films pour échanger sur les dérèglements climatiques et les populations de l'Arctique. Donc les 2 films qui parlent de cette thématique sont L'appel de l'Arctique de Thomas Bourg et Carnet du Groenland de Michel Izard. Et donc viendront les rejoindre Lily Lescarmentier, puisqu'elle est glaciologue spécialiste des pôles. Donc elle parlera avec eux de toute cette thématique. Et donc cette rencontre sera animée également par SCF. Ensuite, 2 rendez-vous sont traduits en langue des signes, donc pour être accessibles aux personnes sourdes et malentendantes. Donc déjà, le témoignage de 2 voyageuses à vélo qui ont traversé la France par les Basques. Et ensuite, la réalisatrice du film Parfum de Bosnie viendra nous parler des coulisses du tournage de son film, parce qu'elle a traversé la Bosnie à pied. Et donc elle viendra nous raconter comment elle a pu rencontrer la population avec son appareil photo et sa caméra et prendre ses belles photos et comment est-ce qu'on parle à l'autre en voyage quand on est seul. Voilà. Et enfin, pour clore cette Voix des Voyageurs, il y a une conférence qui vous sera proposée par la Cinémathèque de Saint-Étienne sur le film de voyage amateur en 9,5 mm, donc qui nous remonter un siècle en avant, au 20e siècle, entre les années 20 et les années 70. Voilà. Merci Agnès. Alors quand on part en voyage, on part souvent, c'est-à-dire avec la caméra, avec son appareil photo, ou pour certains aussi avec son carnet de dessin pour ramener de beaux clichés et quelquefois de beaux carnets de voyage. Justement, plusieurs expositions et de très belles expositions, d'après les images que j'ai pu voir jusqu'ici, vous seront proposées cette année. Et c'est toi, Eric, bonsoir, c'est toi qui nous présente ces expositions. Oui, bonsoir Gérard. Alors effectivement, bonsoir à tous. On a la chance vraiment d'avoir 6 belles expositions cette année. Alors on a 5 expositions photos et on aura une exposition peinture également. Alors sur les 5 expositions photos, on va avoir 3 expositions en noir et blanc. Alors avec à la fois toute la puissance du noir et blanc, la poésie aussi de ces photos en noir et blanc. Et on va aller tout d'abord sur les berges du Gange pour une exposition de photos de Jean-Christophe Plat sur ce fleuve qui est bien sûr ce fleuve sacré. Donc vraiment de très belles photos de scènes de vie. Et puis d'un fleuve à l'autre, on ira ensuite sur les rives du Tigre et de l'Euphrate, puisqu'on partira en Irak. Et là, c'est une exposition, là encore en noir et blanc, de Maxime Crozet,
qui nous propose, lui aussi, il a sillonné l'Irak et il nous propose des scènes de la vie quotidienne. Donc également des photos très 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 puissantes et vraiment magnifiées par le noir et blanc. Et puis troisième exposition photo. Alors là, on change complètement de décor puisqu'on va partir, dans le grand blanc. Hein, on va partir notamment en Islande et au Spitzberg. Et là, c'est une exposition photo d'Olivier Larrey qui s'appelle Tundra. Et Olivier Larrey, c'est un réalisateur et un photographe puisqu'il nous propose également cette année un film. On en a vu d'ailleurs la bande-annonce tout à l'heure, le film Tundra, où vraiment là aussi c'est la possibilité de voir à la fois la nature et la faune du Grand Blanc qu'on va retrouver dans le film et puis dans cette exposition photo. Donc trois expositions noir et blanc et puis ensuite des expositions couleurs. Alors c'est même une orgie de couleurs, hein, c'est le titre de l'exposition de Christophe Boisvieux qui nous emmène au cœur d'une fête hindoue. Donc là vous voyez une image d'ailleurs qui parle d'elle-même, donc de très belles photos spectaculaires. Une autre photo qui est empreinte vraiment de magnifiques portraits d'Alexandre Sattler. Alors tout à l'heure, Florence en a parlé d'Alexandre Sattler puisqu'il nous propose un film, La Doyenne du Monde, un film court et une rencontre que c'est d'ailleurs Gérard hein, qui animera la rencontre avec Alexandre Sattler. Donc il nous propose cette exposition « Éloge du sourire ». Donc là aussi, ça parle. Les photos parlent d'elles-mêmes, des personnages, des personnes âgées, des enfants. Enfin, vraiment un florilège de portraits magnifiques, comme vous pouvez le voir. Donc cinq expositions photos, et puis ensuite on a également une exposition peinture. Donc ça, c'est un petit peu moins courant chez nous à Curieux Voyageurs. Donc on est très heureux de vous la proposer. C'est des huiles. Aquarelle, pastel, d'un peintre qui s'appelle Kim Rouch et qui lui aussi a sillonné le monde. Donc il nous a rapporté ses peintures de différents continents. On ira en Afrique, en Asie, en Amérique latine également. Donc voilà, vraiment six expositions qui valent le coup. Et comme le disait Gérard, elles seront accessibles dès le vendredi après-midi, dès le vendredi 14h. Donc c'est aussi une petite nouveauté par rapport à ce qu'on faisait les années précédentes. Et l'entrée est libre. Entrée libre, absolument. Alors, vous l'avez compris, Curieux Voyageurs, c'est le rendez-vous des Globetrotters, mais c'est aussi l'occasion de venir faire un tour au village des Globetrotters pour défendre des valeurs auxquelles nous croyons, nous sommes attachés, Eric. Oui, chaque année, comme chaque année, vous pourrez parcourir les stands. Alors, et rencontrer les exposants. Alors, on a des associations humanitaires hein, qui pourront vous présenter tout ce qu'elles peuvent faire de par le monde. Mais vous pourrez également rencontrer des créateurs d'art. Vous pourrez découvrir des produits bio, des produits du commerce équitable, du matériel photo avec notre partenaire Studio Gonnet. Vous, bien sûr, une partie livre, hein, on a notre partenaire la Librairie de Paris qui sera présente, et puis des maisons d'édition, des auteurs. Donc voilà, vraiment de quoi faire de belles rencontres et de beaux échanges avec les exposants. Et là encore, une partie en tout cas des exposants seront présents dès le vendredi après-midi. Donc n'hésitez pas, vous voyez que vous aurez des films, des expos photos, et puis des exposants que vous pourrez rencontrer dès le vendredi après-midi. Et puis alors, il y a aussi des ateliers pour que vous participiez, des ateliers pour les petits, comme les contes, ou des ateliers pour les plus grands. C'est toi qui nous en parles aussi, Eric. Absolument. Des ateliers. On aura tout d'abord un atelier carnet de voyage. Alors, c'est vrai qu'on aime beaucoup proposer des ateliers carnet de voyage. Cette année, ce sera sur autour de l'aquarelle puisque c'est Hilda Roussel qui animera cet atelier et c'est une artiste aquarelliste. Autour le thème, je crois cette année, ce sera les végétaux, les minéraux. Donc voilà un atelier qui vous sera proposé le samedi matin. On aura également un atelier proposé par le Musée des Civilisations de Saint-Just-Saint-Rambert. Donc le musée était déjà intervenu l'année dernière, hein, il nous avait proposé deux ateliers. Alors cette année, cet atelier, ce sera autour des éventails japonais. Donc faire connaissance avec ces éventails et puis on pourra même en confectionner un. Donc voilà un atelier qui s'adresse plus particulièrement aux enfants ou qu'on peut faire, pourquoi pas, en famille.
Et puis, le Musée des civilisations nous proposera aussi un instant conte. Deux instants, d'ailleurs, puisqu'il y en aura un le samedi et un le dimanche. Donc, voilà, un petit moment d'une vingtaine de minutes où vous pourrez, là aussi, vous évader en écoutant ces contes. Autre atelier, alors là, des ateliers un petit peu plus inattendus, puisqu'on aura un premier atelier de danse, qu'on a appelé Danse du Monde, Danse en Cercle. Donc là, ce sera, je pense, un beau moment à partager sur des rythmes variés, des musiques du monde, bien sûr. Donc cet atelier le dimanche matin. Et puis, deux ateliers qu'on a appelés l'anglais en voyage. Donc, bien sûr, quand on part, l'anglais, ça reste quand même une langue, la langue universelle, finalement. Et là, c'est des formateurs de Good Sir English. Donc, c'est un institut de formation basé à Saint-Étienne, spécialisé dans l'enseignement de l'anglais. Donc, les formateurs seront là pour vous proposer de manière ludique et vous donner quelques clés, justement, pour vous aider à vous débrouiller en voyage en anglais. Voilà, donc vous voyez, il y a beaucoup de choses. Je pense que tout le monde pourra trouver quand même, il trouve son compte. Enfin, exactement. Alors pour finir ce tour d'horizon, on a parlé des films, des expositions, des rencontres, des ateliers. Eh bien, il ne faut pas oublier non plus nos amis les livres, car chaque année, lors du Festival Cueil Voyageur, eh bien, un prix littéraire est remis. Et c'est toi Agnès qui nous en parle. Cette année encore, on vous a concocté une belle sélection de trois récits de voyage qu'on propose à toutes les médiathèques et bibliothèques de la Loire et de Haute-Loire maintenant, puisqu'elles commencent à participer également. Donc une cinquantaine de médiathèques participent cette année. Donc ces récits vont nous faire voyager en Colombie, en Bretagne et en Antarctique. Donc d'abord en Colombie avec Frédéric Rebois, avec son récit qui s'appelle Confluence, récit d'une longue marche ponctuée de belles rencontres sur place là-bas. Ensuite, direction la Bretagne avec Rémi Haut. Rémi Haut a écrit un bouquin qui s'appelle « À fleur d'eau ». Il est parti à pied de Saint-Malo pour rallier l'île d'Oissan au plus proche de la côte et au plus proche de la nature sauvage parce qu'il est ornithologue de formation et passionné des oiseaux. Donc. Et enfin, direction l'Antarctique avec Lydie d'Escarmentier, avec son récit « La voix des pôles » qui nous emmène en expédition sur l'Astrolabe en Antarctique. Elle est partie plusieurs fois en expédition en Antarctique dans le cadre de sa formation de glaciologue et donc elle va nous faire partager sa passion pour les régions polaires. Donc les lecteurs sont invités à donner leur avis quand ils auront lu le livre, surtout bien voter puisque c'est eux qui déterminent le lauréat de ce prix. Le prix sera remis pendant le festival en présence des trois auteurs dans le grand amphi du centre de congrès le dimanche matin, juste avant la séance de 11h15. Et en attendant le festival, vous pouvez déjà venir à la rencontre des auteurs qui viennent dans les médiathèques. On a déjà fait une première rencontre fin janvier avec Frédéric Rebois. Et fin février, c'est Rémi Haut qui viendra nous rejoindre. Donc il ira dans trois médiathèques du département, à Charlieu, le vendredi soir 24 février. Pardon, décidément, on est vendredi. Et ensuite, il sera samedi matin à la médiathèque de Pénussin et samedi après-midi à la médiathèque de Rive-de-Fay. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre si vous voulez découvrir ces livres. Et voilà, on est la partie livre. Bon, on a presque tout dit maintenant. J'espère qu'on vous a donné envie de partager tous ces coups de cœur que nous avons eus pour ces films, ces images, ces livres. Il faut juste rajouter quelques informations concernant le contexte assez particulier cette année 2023 pour nous, organisateurs du festival Cueil Voyageur. Eric, donne-nous quelques précisions. Oui. Pour des mesures difficiles. Oui, effectivement, Gérard. Oui, quelques mots du contexte économique auquel finalement nous sommes tous confrontés depuis quelques mois. Et c'est vrai que la hausse des prix n'a bien sûr pas épargné l'organisation du festival. Donc je pense notamment à la hausse du coût du papier, du coût du transport, la hausse de l'énergie et bien sûr des coûts qui nous sont répercutés par nos prestataires et nos fournisseurs. Des coûts dont on vous cache pas bien passé après la période Covid qui avait déjà un petit peu malmené le festival. Alors pour faire face à ces hausses, alors bien sûr on peut compter sur le soutien de nos partenaires. Hein. Gérard en a parlé tout à l'heure, nos partenaires publics, nos partenaires privés. Et on sait que notre ambition aussi c'est de développer encore les partenariats privés dans les années à venir. Mais pour faire face là à cette augmentation des coûts, on a été contraint d'augmenter de 40 centimes le prix des billets.
Le prix du billet donc passe de 7,50 à 7,90 en plein tarif et de 5,50 à 5,90 en tarif réduit. Donc une hausse qu'on a été malheureusement contraint de faire. Alors on a tenu toutefois à mettre en place un système de prix dégressif de manière à atténuer finalement cette hausse pour les personnes qui achèteront plusieurs films. Donc un tarif dégressif à partir de 3 films, le prix par séance diminuera. À partir de 6 films, il diminuera à nouveau. Et à partir de 9 films, il diminuera encore. Donc bref, le mot d'ordre, c'est plus vous voyez de films, moins la séance vous coûte cher. Voilà. Donc ça, c'est important. Et puis, on a aussi tenu à maintenir la gratuité de l'accès au village. Puisque vous le savez, l'accès, on l'a dit tout à l'heure, l'accès au village des exposants, aux expos photos, à toutes les conférences, c'est un accès gratuit. Et on a tenu aussi à maintenir cet accès, puisqu'on considère que voilà, il faut permettre le plus large accès possible au festival et à ce que nous pouvons vous proposer. Alors, sauf à ce que l'affluence cette année soit vraiment très très importante, elle a été encourageante en 2022 et on pense qu'on va continuer sur cette dynamique. Toutefois, on sait d'avance que la hausse minime du tarif qu'on a pratiqué cette année ne compensera pas la hausse des coûts que nous subissons depuis quelques mois. C'est pourquoi, parallèlement, nous faisons un appel à dons en demandant à toutes les personnes fidèles du festival, qui aiment le festival, de faire un geste en nous soutenant. Un don que vous pouvez faire directement sur la billetterie en ligne au moment où vous achetez vos billets. Un don également qui vous permettra d'avoir un reçu fiscal puisque vous pourrez avoir une réduction fiscale de 66% sur le montant de vos dons à partir de 20 €, hein, je crois que c'est ce qu'on a fixé, on vous enverra. Donc très très concrètement, si vous faites un don de 20 €, il vous revient après réduction fiscale, on a fait le calcul, à 6,80 €. Voilà. Donc un appel à la générosité pour nous aider à passer ce cap un petit peu difficile cette année. Je crois que je vais m'arrêter là parce que c'est pas le moment le plus festif, je vous l'accorde, mais on avait envie aussi d'être transparent par rapport aussi à ces questions-là. Voilà, Gérard. Alors là, c'est le moment de répondre à vos questions, mais a priori, il n'y a pas de questions. Ouais, c'est qu'on a été clair. Voilà, merci de nous avoir suivis. Nous avons parcouru quelques-uns des temps forts de cette 44e édition. Nous vous emmènerons donc en Amazonie pour parler de déforestation, au Groenland pour mesurer le réchauffement climatique, en Alaska pour suivre un musher dans une course, bien d'autres endroits de la planète magnifiques, vous verrez. Pour en savoir plus, eh bien, vous pouvez consulter le programme, les bandes annonces sur le site du Curieux Voyageur, bien sûr, on vous l'a dit. Vous pouvez aussi vous procurer le joli magazine qui est tout chaud, qui vient de sortir là aujourd'hui. Vous pourrez aussi suivre notre actualité, l'actualité du festival sur les réseaux sociaux. Et puis, dès ce soir, eh bien, je vous invite à commandez vos billets, vous pouvez réserver vos places dès ce soir en allant en ligne sur notre site toujours, ou dans les billetteries partenaires à partir de la semaine prochaine, les offices de tourisme à Saint-Étienne, à Montbrison par exemple, dans toute la région, et aussi à la librairie de Paris par exemple, chez nos partenaires. Voilà. Merci beaucoup, merci à vous d'avoir suivi cette présentation. Parlez du festival autour de vous, venez nombreux. Nous vous rappelons le rendez-vous les 17, 18 et 19 mars à Saint-Étienne, à l'espace Poiriel, voilà, pour voir plein de choses, plein de films, de belles expositions. Et donc voilà, on se donne rendez-vous dans un mois, un peu plus d'un mois. À très bientôt, bonne fin de soirée, merci et merci à mes 3 comparses, Agnès, Eric et Florence pour cette présentation. Merci, bonne soirée. Au revoir.